Bonjour messieurs, dames, on se retrouve pour un petit test d'un jeu Nintendo DS qui est Fort Boyard, messieurs, dames, mais oui. Avec le père Fouras, passe-partout, passe-moi la canne à pêche, j'ai vu un crabe. Bref, du coup, messieurs, dames, on va tester tout ça. On va voir si c'est de la merde ou si c'est pas de la merde. En avant. Ah, c'est la boule en... Alors, choisis ton profil. Bah, écoute, nouveau profil, hein, validé. Hein. Alors, partie rapide ou nouveau jeu? On va aller voir les options. Bon, ça a pas l'air très intéressant. Je vais baisser cette musique. Ah... On s'entend mieux tout de même. C'est dommage, je peux pas juste la baisser, donc je vais la laisser, mais bon. Eh ben, allons-y, allons tester ce jeu. Alors, niveau facile. Ok, bienvenue à Fort Boyard. La prochaine épreuve fera appel à ton intelligence. Ouais, d'accord, ok. Ah, ça démarre direct. Bah, ça, c'est pas mal. Libère la clé en approchant le tonneau le plus près possible de l'étau en haut à gauche. Déplace les caisses. Bon, je vais pas tout lire quand même, hein. Ah, ok, j'ai du temps. Il faut que j'amène le tonneau en bas à la clé. Ok, bon, bah... Ah, il faut pas que je me... Ah, là, tout ce que je peux faire, c'est monter si... Ah ouais, mais c'est un salaud, lui. Ah, je sais pas ce que je fais, là. Ah non, mais il est chiant, ce truc, là. Mais là, je suis coincé, là. Je suis dans la merde, non? Là, je l'ai coincé, non? Mais c'est un casse-tête, ce truc, là. Oh, merde, j'ai libéré ce autre truc. Bon, là, du coup, j'avance. Ah non, mais je peux pas. Là, c'est bon, là, je peux avancer tranquillou. Mais comment on fait? Oh, je suis trop nul, je suis désolé, hein. Mais regardez, mais je tourne en rond. Ah non, mais j'ai perdu. À la première épreuve, j'ai perdu. Perdu avec un grand U. Mais c'était dur, non? Non, c'était facile, dites-moi en commentaire. Bon, bah, c'est pas grave. On va se refaire. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Libya, nanana, ok. Il y a une énigme. Vas-y, c'est parti. Malgré ce qui se dit, le canard le redoute aussi. Ah, un temps. Un froid de canard. Oui, parce que c'est un froid de canard, du coup. Oh, ça va, c'était facile, ça. Froid de canard, bah oui, c'est ça. Bon, bah, on a une clé, c'est pas mal. Ok, tu dois atteindre le bout de la rampe le plus vite possible en utilisant le manolier pour gagner la clé. Oui, vas-y. Et bah, en avant. Donc là, on tourne, mais pas trop vite. Mais je suis tombé. Mais pourquoi je suis tombé? Voilà, tout doucement, quoi. Voilà, j'ai failli tomber. En fait, des fois, il s'arrête, je sais pas pourquoi. Bon, bah, pas trop difficile, c'est sympa. Là, je dois prouver que je suis pas fou. Bah, ça va être très, très dur. Ça va être très, très dur. Tu dois activer les manettes de chaque côté du mur de l'asile, d'accord? Baisse la manette du côté où tu te trouves, puis remplis la jauge en frontant. Nanana. Oh, j'en ai rien à faire, putain, je m'en fous. Bon, du coup, j'ai rien compris parce que j'ai pas lu les explications. Donc je dois baisser le truc où je me trouve. Ok, et là je dois faire pareil, je crois. Non, mais en fait je comprends rien, je crois. Je crois que j'ai rien compris. Écoutez, je fais des allers-retours, mais j'y comprends pas grand-chose, hein, finalement. Oh, et bah, sachez que j'ai rien compris, mais j'ai gagné. Voilà. C'est ce qu'on appelle le talent, messieurs dames. Prochaine épreuve, précision. Ok. Bon, on doit rester en équilibre sur un tonneau, ça va le faire. Le jeu est très rapide. Et franchement, j'aime bien. Tout s'enchaîne, tout est là. C'est pas mal. Bon, allez, on va rester en équilibre. Bon, bah, nous, on va aller là. Ah, faut pas que je me prenne le mur. Bah, ça va être assez complicado. Là, on trace. Là, il faut que je tourne. Ah. Oula. Là, il faut que je tourne. Non. Mais elle tourne pas vers là. Bah si, elle tourne vers la gauche. Bah alors, mais qu'est-ce que c'est que ces âneries? Quoi, j'ai perdu? Oh non, mais je m'amusais trop bien. Bon bah tant pis, j'ai été nul. C'est parti pour une nouvelle énigme. Habitué des bibliothèques, leur avarice est légendaire. Un rat de bibliothèque? Bah ouais, c'était ça. Oh, écoutez, je suis pas mal en énigmes. J'aime bien. Bon, en même temps, elles sont peut-être faciles, c'est peut-être que des animaux, en plus. Tu dois tirer la corde pour remonter le filet des pierres, ok. Ouais, faut tirer, en fait. Hein. Bon, écoutez, là, on a 40 secondes, on arrive à la moitié. C'est pas dégueu, l'animation, hein. J'aime bien. Hein. Les décors, tout, l'animation du personnage, l'animation des mains en bas. Franchement, c'est sympa, hein. Putain. Moi, je pensais que ce serait de la merde. Non, ça a l'air vraiment bien pour l'instant. Attention, moi, je fais Fort Boyard pour gagner de la thune. Hein. Bon, par contre, là, il reste 15 secondes et on n'y est pas assez. Là. Allez. Mais j'ai perdu. Franchement, ils nous disent de pas aller vite. Du coup, j'ai fait coup par coup. De toute façon, faut jamais écouter les consignes. Alors, menottes, pour obtenir la clé, tu dois longer le tuyau auquel t'es attaché. Ouais, ok. Ah ouais, ok. Ah, ça avance. Ah, ça avance tout seul, par contre. Et encore une fois, c'est pas dégueu l'animation. Hein. Oh, j'ai réussi. Eh ben super. 5 clés, en vrai, c'est pas mal, non? Je sais pas combien il y a de clés. Il y a 10 clés, non? Ah, je sais plus, je m'en souviens pas. Je regardais quand j'étais petit, mais bon... L'eau a coulé sous les toilettes, messieurs dames. Sous la cuvette, même. Ah, libère la clé. Excalibur. Ah, oh, Excalibur, moi, je repars avec l'épée. Ah oui, libère la clé en tranchant la corde avec l'épée. Faible, mais pourquoi? C'est pas facile, hein. Allez, perds pas espoir. Super, j'ai fait un super, là. Ah ouais. Ah ouais, allez. Ah, c'est bon.
Ah non, c'est pas bon. Bon, j'étais presque. C'est galère, la souris. Attends. Ah mais non, game over. Oh non, je suis si déçu. Mais pourquoi emmenez-moi en prison, puis je me libère, game over. Une fois, j'ai regardé Fort Boyard, et c'était des mecs qui jouaient pour une association. Et bah, ils ont perdu. Je sais pas comment, mais ils ont perdu. Bah, ils leur ont donné de l'argent quand même, hein. Oh non, mais je suis au bout de ma vie, putain. Mais je me suis amusé, hein. Ce jeu est bien. Je ne m'avoue pas vaincu, messieurs, dames. On va recommencer. C'est vrai que j'avais mis difficulté facile et j'ai quand même perdu, donc je pense que je suis bien, bien, bien nul. On fait bien les choses tranquillement, on prend son temps, comme dirait un artiste que j'aime de tout mon cœur, si vous avez la référence. Et voilà. S'il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, c'est parce qu'il est extrêmement poli. Oh, ça a l'air plus compliqué. Il dit à une méchante reine qu'elle est la plus belle. Ah, c'est le miroir, on peut... polir un miroir? Ah ouais? Il me semble que c'est un miroir, bah oui. Ah, franchement, j'ai été nul. Ok, deux clés. Je me demande s'il y a beaucoup d'épreuves ou si c'est toujours les mêmes. Parce que s'il y a beaucoup d'épreuves d'une partie à l'autre, bah tu peux t'amuser autrement, quoi. Tu découvres les autres épreuves. Si c'est toujours les mêmes, mais dans un ordre différent, là, c'est pas la même chose, messieurs dames. Allez, trois victoires. Non, mais voilà! Alors ça, on n'y était pas arrivé. Je vais tirer la corde plus vite, hein, cette fois. Je sais pas comment j'ai perdu la dernière fois, hein. Gagner, quatre clés. Allez, allez, allez. Jeu débloqué en partie, vous avez vu? Ça veut dire, bah ça c'est les jeux DS. T'as la mode aventure, entre guillemets, qui est une mode mini-jeu. Et après, t'as la mode arcade ou je sais pas quoi, où là, tu choisis les mini-jeux. Mais c'est pas utile. Je vais jamais y rejouer. Enfin bref. Chacun ses goûts, messieurs dames. T'aimes le fromage? Non? Eh ben, mange du brie. Eh ben, voilà. Eh ben, voilà, messieurs dames. C'est une belle philosophie, ça. Si t'aimes pas le fromage, mange du brie. Ah oui. Alors, prochaine épreuve, précision. Ah, c'est... on l'a déjà fait. Ah oui, d'ailleurs, j'y étais pas arrivé. Par contre, c'est une des meilleures épreuves. Qu'on soit très clair là-dessus. Je crois que j'ai... En fait, j'ai 3 vies. C'est là que réside tout le problème. C'est que moi, il m'en faudrait 50. Ah, on a... Par contre, on a 13 secondes, hein. J'avais pas vu qu'on était chronométré. Tout doucement, maintenant. Tourne, tourne. Voilà. Non! Oh non! Mais en fait, au bout d'un moment, on avance tellement qu'on est sur l'écran du haut. Mais l'écran du haut, il est pas tactile. Alors comment je fais, moi? Ah, franchement, j'ai pas compris. Mais c'est une bonne épreuve. Semblant inaccessibles, elles sont là, dominant les mers et les terres. Et que d'une souris, elles peuvent accoucher. Quoi? C'est les montagnes ou les étoiles? Attends, une souris, elles peuvent accoucher? Mais pourquoi des montagnes feraient un bébé souris, quoi? Il est impossible d'organiser... Ah, c'est les montagnes. Et attends, les montagnes... Attends, faut que je me dépêche d'écrire, attendez. Je vous parle après, hein. Je vous mets en silencieux. Mais pourquoi les montagnes font des souris? Attendez, est-ce qu'il y a l'explication ou pas? La montagne qui accouche d'une souris... C'est une expression populaire. Alors moi je savais les montagnes ne se rencontrent pas, je sais pas quoi, mais qu'une montagne accouche d'une souris. Alors ça, mais j'en perds mon espagnol, hein, franchement, chapeau l'artiste. Mais vous saviez, vous connaissez que les montagnes, en fait, ça remet en question toute la chaîne alimentaire. Hein. Les montagnes, elles créent les souris, et nous après, eh ben, on tue des souris. Enfin bref, messieurs dames. Bon, 5 clés, c'est pas mal. Ok, alors Excalibur, je vais lui faire sa fête. Hein, je vous le dis tout de suite. Ah, oh, j'y arrive tellement pas. Ouah, non, trop dur. Trop dur, oh, trop dur. Franchement, j'arrive pas à comprendre le sens de cette épreuve. Oh, j'ai rien compris. De toute façon, je lis jamais les consignes aussi. C'est ma faute. Mais sinon, c'est pas drôle. Oh non! Mais non, mais on va jamais y arriver. Est-ce que, au lieu de me déplacer, faudrait pas que je coince tous ces trucs avant? Elle, pareil, on va la coincer dans un coin. Parce que notre but, c'est d'aller en haut à gauche. Donc on va pas aller en bas à gauche, logiquement. Ah si, peut-être que j'aurais dû passer par là, mais je sais pas si c'est possible. Allez, moi maintenant, je vais avancer. Voilà, et là, j'ai plus qu'à remonter, non? J'ai peur de faire une bêtise. Bah, la dernière fois que j'ai essayé, je crois que j'avais pas de cerveau, et là, mon cerveau est réapparu. Ah bah, je suis content. Ah bah, c'est une petite fierté. Ah bah oui. Alors félicitations, t'as remporté suffisamment de clés pour ouvrir la salle du trésor. Ok. On joue avec mon premier indice. On peut s'orienter avec mon premier indice. Mon premier indice permet de se représenter ou de s'identifier. Avant de jouer avec, il faut bien les mélanger. Des cartes. Les cartes à jouer. Non mais voilà. En fait moi j'ai... Mais par contre les énigmes je les trouve... En soi elles sont faciles mais elles sont intéressantes. Bon le premier indice c'est carte ou pluriel. Pour atteindre l'indice tu dois arriver en haut du mur le plus vite possible. Ça, c'est exactement l'épreuve d'escalade de la carte au trésor, messieurs. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Eh ben, c'est pas si simple. Hein. C'est vraiment... Donc là, droite. Après, haut. Après, encore haut. En fait, ça défile vraiment vite sous mes yeux. Là, j'ai un peu de mal. Et bah, du coup, j'ai parlé trop vite. Ça n'a rien à voir avec l'épreuve de la carte au trésor. Gagner. Oui, ça n'a rien à voir parce que cette épreuve est beaucoup plus dure. Parce que ça défile vite. Tu dois cliquer, mais pas cliquer sur les rouges. Donc, faut que tu regardes la direction. Vous avez compris, messieurs, dames. Indice Versailles, donc carte Versailles. Reste bien concentré, ok, ok. Ouh, l'équilibre, je suis pas chaud. Funambule. Alors, faut aller au bout du câble, ok. Faut pas péter un câble, hein. Allez, on rigole. Faut juste le garder droit, en fait. D'accord. Et bah, c'est super dur. C'est pas facile, hein. Ah, j'ai réussi.
Ah bah c'est une bonne épreuve, parce que s'il durait plus longtemps, ça marchait pas. Douve, carte, Versailles, Douve. Propulse-toi vers le sommet du fort pour attraper... Oula, oula. Ok. Bon bah ok. Hein. Hop là. Eh mais mec, on lui explose les côtes là. T'as pas mal au zizi, mec. Roi. Alors carte, Versailles, Douve, roi. Toutes ces choses-là représentent un château. La carte au trésor. Ah, attends. Trésor. Une carte au trésor. Un roi, il a des trésors. Versailles, c'est. Non, la carte d'un château. Le. Ah, je sais pas. Ah, mais je sais pas ce que c'est des douves en fait. J'ai du mal à voir ce que c'est. Poto. Mais c'est pas Koh-Lanta, je comprends pas. Allez, on rigole. Et bah, c'est pas facile puisque. Il y a toujours un petit décalage entre l'écran du haut. Putain. Bon, je fais de mon mieux, messieurs, dames. Je vous tiens au courant par mail. Hein. Des fois, je clique, ça marche pas. Des fois, je clique, ça marche pas. Perdu. Tu dois maintenant affronter les maîtres des ténèbres. Mais ça s'arrête jamais. Non, mais c'est pas mal. Allez, on va affronter les maîtres, ça va être super dur. Bon, on a 90, ça va quand même. Retrouve le boyard caché sous le gobelet. D'accord, bah vas-y. Allez, concentration. J'ai déjà perdu de vue. Il est là, normalement. Allez, ok. Vous m'aidez, hein, vous me dites en commentaire, bien sûr. À votre avis, il est où? Bah, il est là, évidemment. Bon, il sera pas tout le temps à gauche, hein. Faut quand même que je reste sur mes gardes. Bon, là, il est encore à gauche. Si tu le mets toujours au même endroit, tu crois vraiment que je vais pas m'en apercevoir? Je pense que c'est un piège, là, il va pas le mettre à gauche. Il l'a mis à gauche? Non, mais mec, mais à ce moment-là, passe l'arme à gauche tout de suite. Ah, c'est Shrek. Veux-tu du temps ou un indice? Un indice, parce que l'argent, je m'en fous. Enfin, l'argent, c'est intéressant, quand même. Non, un indice, parce que pour l'instant, je suis perdu. Seigneur. Oh, mais je suis musclé. Putain, mais mec, prête-moi tes muscles. Bon, là, je suis plus haut que lui, je crois qu'il descend un peu. Mais mec, mais j'ai de ses muscles. Ah, je vous promets que je suis comme ça en vrai, hein. Ah oui, mais je vous jure. J'ai peut-être un peu menti, mais tout de même. Bon, faut gagner deux fois. Encore une fois, les animations sont pas mal, hein. Il va toucher... Ah, voilà. Eh ben, j'ai battu Shrek. Veux-tu du temps? Moi, je veux un indice. L'argent, je m'en fous. Pont-levis? Bah, c'est château. Tu vas devoir affronter en enfonçant des clous avec un marteau. Ouais. Ah, bah, c'est comme Excalibur, un petit peu. Regardez, ça ne marche pas. Ouais, non, mais non. Je peux pas y arriver. Je peux pas y arriver, messieurs dames. Perdu, c'est pas grave. Peu m'importe. Alors là, c'est le maître des ténèbres. Ton bateau doit s'arrêter le plus proche de la bouée. Ah, c'est une pétanque! C'est une pétanque! Ah, souffle dans le micro. Alors, messieurs dames, bouchez-vous les oreilles. Ça va en faire du bruit. Bon, bah, je vais souffler, hein. Bah, messieurs dames, je suis pas sûr que ça marche bien. Hein. Parce que lui non plus, il avance pas, bizarrement. Me dites pas que le jeu a planté. Par pitié, ne me dites pas que le jeu a planté, s'il vous plaît, messieurs dames. Bah, messieurs dames, je pense que le jeu a bugué, puisque je n'avance pas, mais le maître non plus. Alors, que faire, me diriez-vous? Veux-tu quitter le jeu? Est-ce que j'ai sauvegardé ou pas? Bon, écoutez, on va essayer de quitter le jeu, j'espère que ça a sauvegardé. Continuez. Oh oui! Oh oui! Putain, oui! Eh bien, messieurs dames, ça ne marche pas. Ça veut dire que je ne peux pas aller au bout avec tous les indices qu'on a. Putain, je suis dégoûté. C'est les risques du métier, hein, c'est les risques de l'émulateur, messieurs dames. Je suis un peu dégoûté. Parce que si ça marchait, là, j'aurais laissé gagner au pire si le micro marchait pas, mais bon. Bah, je ne peux pas aller plus loin, messieurs dames. Ça me fait mal au cœur, mais bon, il n'y a pas le choix. Bon, c'était quoi les indices qu'on avait? Carte, Versailles, Seigneur, Douve, Pont-Levis. Écoutez, je ne peux pas aller au bout du jeu, malheureusement. Mais je vais quand même regarder qu'est-ce que c'était le mot qu'il fallait trouver. One eternity later. Eh bien, messieurs dames, j'ai cherché sur Internet, j'ai pas trouvé. Donc, moi, je dirais que le mot, c'était château. Château de Versailles. Je sais pas, bah pont-levis, roi et tout. Mais dites-moi en commentaire si vous avez d'autres solutions. Hein. Pour moi, c'était château. Malheureusement, bah je peux pas aller au bout de ce jeu. Je suis dégoûté. Bah messieurs, dames, on ne verra pas la fin. C'est triste, mais c'est la vie. Très bon jeu. Pour moi, c'est un très bon jeu DS. Je me suis beaucoup amusé. Je pense que si ça avait pas bugué, j'aurais gagné 10 millions, peut-être 1 milliard. Non, franchement, c'était cool. Des bons mini-jeux, des bonnes énigmes. C'était rapide, pas de blabla. Oui, salut, moi je suis le présentateur, on s'en fout. Olivier Mine, on s'en fout. Non, c'était super, puis il y avait Passepartout. C'est une légende. Perforage, j'en parle même pas. Eh bien, messieurs, dames, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, une prochaine fois. Ce jeu était très bien. Et puis voilà, pour vous quitter, je vais imiter la voix du père Fouras en avant-première. Attention, attention les oreilles. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, messieurs, dames.